Bonjour, bonsoir, dépendamment qui côté, dépendamment qui le wap gade vidéo ça. C'est toujours moi-même Merci qui a présenté une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons montrer comment vous pouvez retirer un background dans une image bien facile. Déjà sur mes idées, pas oublier, abonnez avec la chaîne, partagez, like, de façon pour que vous capable encourager nous. Et n'a pas une petite pause, n'a pas tourné tout de suite après pause là. Merci pour patience. N'a pas entré directement dans les sons pour aujourd'hui. Problème non yo pralé passer. Jean que nous te dit dans vidéo aujourd'hui nous pourrons montrer comment que capable retirer un background dans une image bien facile. Donc nous gain plusieurs applications que capable retirer background dans une image bien facile. Donc nous pourrons faire vidéo ensemble avec vous. Donc c'est deux applications, c'est des applications donc que capable utiliser bien facile sur téléphone pour que capable retirer fond ou bien background dans une image. Donc nous croyons que vidéo ça va utile ou en pile. Donc vidéo ça c'est vidéo et côté que nous pourrons utiliser première application côté que capable retirer background. Donc, ça veut dire nous avons plusieurs autres applications à montrer encore. On pourrait aller sur Play Store. Vous pouvez aller sur Play Store. Vous pouvez aller sur Play Store. Donc, nous avons rappelé que l'application, notre application, c'est Remove. Première application que nous allons parler de l'IA. Donc, c'est Remove.bg. Donc, normalement, nous avons une vidéo sur ça déjà. Côté que nous avons montré comment vous êtes capable d'aller sur Chrome pour que vous êtes capable de faire ça. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, nous allons montrer comment que ou capable télécharger application normalement sans que ou pas besoin aller faire pile l'autre pour que capable réaliser ou bien que capable réaliser un travail côté que ou a besoin retirer un fond là-dedans. Donc OK, et nous pour aller sur Play Store, on a écrit remove.bg. OK, remove.bg. Donc nous voyons que il paraît en l'air là, remove.bg. Donc comment même moi déjà télécharger, donc il marqué ouvrir. Ou même moi juste cliquer sur télécharger de façon au même pour que capable télécharger application normalement. Application remove.bg, donc c'est une application donc qui permet que vous retirez background. Ça veut dire retirer fond dans une image bien dans une photo. Donc c'est-à-dire donc c'est une application de cap très utile ou même surtout qui cap travaille et fait graphique donc sur téléphone ou bien ou même tout cap évoluer dans domaine sérigraphie. Donc OK, comme moi-même moi t'ai déjà gagné application téléchargée normalement et li marqué ouvre mais moi juste télécharger application. Donc maintenant donc nous pour aller sous application, nous pour ouvrir application. Dès que vous fin télécharger application, donc marqué ouvre. On cliquer sur ouvrir. OK, nous cliquer sur ouvrir. Donc dans interface application, nous voyons que c'est remove.bg. Donc li marqué upload image. Donc c'est dans upload image là, donc ou même ou pral chercher image que ou même ou voulez retirer fond là-dedans là. Donc on cliquer sur upload image. OK, là cliquer sur upload image. Donc on cliquer sur photo. OK, donc là on pral chercher côté que photo rien de façon pour que vous capable importer dans application remove.bg. OK, donc ma prend photo ça. OK, vous cliquez sur lui et puis la marque, en fait disons la marché.
OK. Voilà, donc ça c'est photo. Hein? Donc et font déjà sorti. OK, donc font déjà sorti. OK. N'a font petit bac pour que capable boire ça ça n'a faire n'a retourner n'a préfère n'a préfère le pour de façon pour que au capable bien sûr. OK, n'a aller n'a ouvrir. Nous allons dans ouvrir et puis nous allons dans upload image. Je vais aller dans l'anglais, je vais continuer. Ok, nous allons dans photo et puis nous allons dans mail shadow qui est photo que nous allons retirer le fond. Ok, donc là, marcher là. Ok, normalement, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc m'a juste moi capable juste cliquer sur download là la, et puis moi importer le sans fond. OK, donc ça capable briver que moi te voulais mettre moi tout en fait ça capable briver que moi te tout voulais mettre un fond là-dedans. OK, donc ça veut dire application donc libre possibilité donc justement pour que moi capable mettre fond. Donc qui ça m'a fait m'a juste aller dans éditer éditer. Donc ça veut dire moi pour tout mettre ou bien ajouter un fond derrière et derrière image là. OK. Donc ça a aussi ensemble de background donc ou capable mettre des images. Donc si toutefois que vous pas aimer background ça, ou capable toujours télécharger, ou capable toujours cliquer sur upload background. Ça veut dire ou capable télécharger de l'autre background pour que vous capable mettre derrière image là. OK, donc m'a cliquer sur première. OK. OK, m'a cliquer sur première. OK, donc nous et background là et venir et background là donc il tout installé automatique derrière image là. OK. Nous avons background moins déjà installé. Ça veut dire ça c'est premier background. Donc si tu fais que par email, donc on a baissé cliquer sur l'autre. OK, nous cliquer sur deuxième là. OK, donc ça veut dire nous avons mon gitan dans une autre et interface ou bien une autre background. Troisième là. OK. Donc nous cliquer sur troisième là. OK. Donc background m'a monté normalement. OK. M'a cliqué sur dernier pour que nous capable voir. Donc ça veut dire background m'a gitan. Mon data retiré background m'a dans image là bien facile et ajouter un autre background bien facile. Moi crois que ou te suivre vidéo donc jusqu'à la fin. Donc ça veut dire ou en mesure pour que au capable et télécharger application et en plus travailler sur lui normalement. OK, n'a continuer et OK, et pour que au capable télécharger image. OK, nous aller dans nous aller là et puis nous cliquer sur download. Donc nous aller là. OK, on va se que ouais et puis nous cliquer sur download. OK, nous cliquer sur download et puis nous cliquer sur en fait une seule fois bien toujours. OK, voilà, donc ça c'est photo donc côté que moi retirer background qui était derrière là moi mettre ou bien moi ajouter yon l'autre background bien facile. Déjà si toutefois que t'es capable de vivre jusque là, c'est parce que vidéo a été intéressant. Déjà merci parce que t'es choisi suivre nous donc sur channel ça qui c'est info format. Jean que nous t'ai dit depuis au commencement vidéo donc nous avons plusieurs vidéos en fait plusieurs vidéos que nous avons pour nous faire sur application normalement qui capable retirer fond ou bien background
nan imaj. Donc ça veut dire vidéo ça c'est vidéo numéro 1. Donc restez suivre nous de façon pour que ou capable joindre deuxième application, donc ou capable retirer background bien facile sous téléphone. Nous déjà merci, au revoir, à la prochaine.